Il est difficile de dire quel livre a changé la vie quand on lit beaucoup de livres. On pourrait donner beaucoup de réponses à cette question. Mais puisqu'il faut choisir un livre, je dirais que celui qui m'a le plus marqué, probablement, c'est le roman d'Henry James, Portrait de femme. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que James explique qu'une vie peut être d'une certaine manière sauvée, quelle qu'elle ait été, par un moment parfait. Un moment parfait qui est un moment de rencontre des cœurs ou de rencontre des âmes, si on préfère ce mot-là, qui n'est pas forcément, enfin qui est quelquefois quelque chose de très précaire, puisque la scène dans laquelle James raconte ce moment parfait est en réalité une scène d'agonie. Mais c'est une scène d'agonie où les deux héros voient disparaître tous les obstacles qui les ont jusqu'alors séparés et se rejoignent dans une parfaite sérénité, une parfaite intelligence l'un de l'autre. Et c'est une scène merveilleuse et qui m'a fait comprendre que ce qu'il y a de plus rare et de plus précieux dans l'existence, c'est effectivement de vivre cette rencontre en dehors de tout jugement.